Et là, aujourd'hui, on va amener ce message d'espoir. Et on veut que vous oubliez, pendant ce temps, vos soucis, vos tracas, et que tout simplement, vous puissiez faire corps avec nous. Ok, c'est parti les gars, on y va, on est prêts. Ok, let's do it. M'a beaucoup émue. Ça m'a rappelé des souvenirs que j'ai passés ici. J'ai été hospitalisée pendant des mois et des mois au HUG. Et le personnel a tout été magnifique. Et je voudrais vraiment que ces chants puissent vraiment vous pénétrer et que vous puissiez partager ce moment de bonheur comme moi je l'ai partagé quand j'étais là, même dans les moments difficiles. Mais à travers le gospel, j'ai passé vraiment des bons moments. Et puis, je voulais aussi remercier le personnel soignant qui a juste été magnifique. Voilà, je le dis, j'ai été tellement bien. Je voulais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites. Parce que c'est pas un travail facile. Et sans vous, on pourrait pas faire grand chose. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier.
pour moi, c'est un cadeau, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Et en fait, de voir qu'il y avait un concert, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Et puis, ça m'apporte beaucoup. Déjà, tous les chants qu'ils ont faits, c'est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, c'était vraiment un cadeau du ciel de chanter pour ces gens qui sont dans la douleur, dans la détresse, quelques-uns peut-être fin de vie, et pour donner vraiment un espoir. Nous étions tous touchés par voir tous ces gens dans les fenêtres qui disaient, en train de faire vraiment nos adieux avec les langes, en train de dire merci, bravo. Et on voyait que le sentiment et la joie, en même temps, il était.